Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous comment la vie quotidienne ici à Paris, comment on peut vivre ici à Paris, comment on peut trouver un travail, comment on peut faire des études, comment on peut trouver un logement. Hi guys, today I'm going to share with you how to live in Paris, how to find an accommodation, how to find a job, how to study here, how to live in general in this city. If you are new to this channel and you haven't subscribed, please do me a favor by clicking the subscribe button and turn on the notification so you will get every awesome video coming soon. And please like and comment. Let me know what you think about this video and what city you want me to discover and explore with you. Thanks. Bonjour. Salut. Oui, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, merci. Oui, merci. J'ai une question pour vous. Comment est la vie ici à Paris? Comment on peut trouver un travail? Comment on peut même trouver un logement pour les étudiants qui viennent ou par exemple quelqu'un comme moi qui voulait s'installer ici, qu'est-ce que tu peux me conseiller, quelle piste que tu peux me donner? Ah, il y en a plusieurs. Je pense que Paris, il faut savoir que c'est une ville qui est un peu chère quand même. Oui. Donc il faut être au courant de ça et agir en fonction en fait. Mm. Mais c'est possible de vivre à Paris. Mm. Je pense qu'il faut déjà essayer le plus important, je pense que c'est de trouver le logement. Ok. Essayer de trouver un logement qui soit pas trop cher ou essayer de se mettre en colocation. Mm. Ou alors de vivre à plusieurs, parce que vivre seul, c'est super difficile. Mm. Et pour ça, je pense que le plus important pour les colocs, c'est d'aller sur Facebook quand on vient pas de Paris. Mm. C'est difficile de trouver des colocations, de trouver des gens qui ont les plans en fait. Yeah. Donc il vaut mieux aller sur les réseaux sociaux, je pense d'abord, sur des groupes de colocs sur Facebook. Sur Facebook. Après, si on veut vivre seul, ça devient plus compliqué. Mm. Et souvent, quand on est jeune étudiant, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, faut être dans des appartements assez petits. Mm. Et donc, le mieux, c'est d'être à plusieurs. Après, si on veut vraiment vivre seul, faut regarder dans les agences de location. Il y a des sites, genre particulier à particulier, où ils peuvent trouver des trucs. Mais je pense qu'il faut faire attention à Paris à ne pas se faire avoir. Il y a beaucoup d'appartements qui sont très chers, alors que ça ne vaut pas le prix. D'accord. Il y a beaucoup d'appartements comme ça. Des trucs tout petits, avec les toilettes sur le palier, et qui valent super cher. Et ça, je pense qu'il faut savoir prendre du recul et pas prendre le premier plan qui vient, en fait. Il faut pas avoir du temps. Il ne faut pas presser. Non. Okay. Après, des fois, on est pressé, c'est la vie, mais si on peut prendre le temps, c'est mieux. D'accord. Il vaut mieux regarder dans les arrondissements qui sont de bordure. Oui. Genre, ça dépend, mais 18, 19, 20e, arrondissement. Même 12, 13, 14. Là, il peut y avoir des trucs moins chers. Il faut regarder sur les bordures. D'accord. Ça, c'est pour le logement. Après, pour le reste, il faut essayer de rencontrer du monde. Les Parisiens, c'est pas facile de rencontrer des Parisiens au début, de briser la glace. Oui. Mais une fois que c'est fait, après, ça va mieux en fait. D'accord. Donc je pense que c'est important d'essayer de rencontrer du monde le plus possible. Ok. Par des assos, par des activités, peu importe. Mm. Et après, pour la nourriture, ça dépend. Mais si on veut commencer un peu pour économiser, je pense qu'il faut aller dans tous les supermarchés, les différences de prix, elles sont très très fortes. D'accord. Franprix, c'est 15 fois plus cher que Lidl, par exemple. Wouh ! Il faut savoir faire attention quand même. Ah, je sais pas si c'est 15 fois, mais ouais. D'accord. Donc je pense que c'est ça, les bases un peu. Quoi. Et pour trouver un travail, qu'est-ce que tu dis ? Ça dépend quel travail tu cherches. Si tu as besoin de travail vite en attendant, je pense qu'il faut faire des boîtes d'intérim. D'abord, faire de l'intérim, parce qu'ils cherchent des gens assez facilement. Ok. Après, en fonction des profils, c'est pas évident. Il y a plein de trucs. Je pense qu'il y a des offres en ce moment, mais il faut regarder à Paris et en banlieue aussi. D'accord. Il faut regarder partout. D'accord. Parce que Paris, juste, ça peut marcher, mais ça dépend vraiment du secteur d'activité. Oui. Des fois, en fait, juste à côté de Paris, il y aura des trucs. Et qu'on ne verra pas si on regarde que dans Paris. Ok. Ça vaut le coup. D'accord. So, he said, living in Paris is expensive. But for students, you also have student accommodation like cruise. And those of you that are looking for a normal house, you can also find it through Facebook. Even Le Bon Coin. I think so. Yeah, Le Bon Coin, you can still find some there. And he said Paris is very expensive. So the best advice he give to you is to go a little bit out of the city center, like the 19th arrondissement, 12th. And again, to integrate, you need to come out and mix up with the Parisian, because it's not easy to mix up with the Parisian, but you have to insist. If you can be able to have some friends, then
From there, things can become more easy for you because they can help you to integrate a little bit more faster. I repeat, if you are looking for an apartment, you have to be very, very careful because most people will ask you to pay more than the apartment they offers you because sometimes it's much smaller. And so that is it. And if you want to look for an apartment here in Paris, you can check it in Facebook or in Le Bon Coin and other sites. In Paris here, the supermarket, they have variable price. You can have maybe from Lidl can ask you to buy something of, a bread will cost you €2 in Lidl. Maybe in Carrefour, it can cost you €1.50. And other supermarket can even cost you even up to €5. So, or even more. So it is something to think about. So if you're in Paris or planning to come to study in Paris or live here in Paris, these are things you need to pay very close attention to. The best supermarket for you to go is Lidl, Action and Carrefour. Those big supermarkets are less expensive. So thank you very much, Rob. You're welcome. Thank you. Cheers. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Hein. Et ça, toi? Ouais, tranquille. D'accord. Merci d'accepter pour venir partager ton expérience ici à Paris. Il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir. Parfait. J'ai une question pour toi. Comment est la vie ici? Paris. Franchement, c'est la belle vie, Paris. Hein. Déjà, quand on se promène dans la rue, c'est magnifique. Okay. Il y a tout qui est à portée de main, il y a beaucoup de gens, beaucoup de rencontres. Et c'est ça ce côté sympa là qui à mettre en avant surtout, c'est la belle vie parisienne. Ok, so I asked him that, how is Paris, how to live in this city? Because he said Paris is a very beautiful city. And the city, even walking in the street is like a dream to him. Yeah. And you can meet a lot of people. Comment un étudiant peut venir faire des études? Par exemple, ton cas, tu m'avais dit que tu viens de Grenoble pour faire des stages ici. C'est ça. En fait, de base, je viens de Grenoble. Donc, c'est une ville en France, dans les Alpes, donc les montagnes. Ensuite, je suis parti à Lisbonne, au Portugal. Ok. Puis, j'ai fait un master en école de commerce à Nantes. Ok. Et là, je suis actuellement à Paris depuis janvier. Et puis, voilà, on bouge de ville en ville, mais c'est à chaque fois un plaisir. C'est un plaisir. Exactement. He's a business student. He has been in Portugal, in Lisbon. Right now, he's here in Paris since January. And every time, it is a pleasure going to different places and is making the best out of Paris this moment. Exactly. Okay. What can you share about the rent, house rent, and whatever? What do you think about it? Do you have any idea? The rent? About the rent, an apartment. Ah, the rent. Ah. The rent, it's a hard subject because it's very expensive. Because it's Paris, like the price, the highest price in France. But no matter, you have a higher salary than in countryside, so it doesn't really matter. It matters, but yeah. You need to know the rules before starting to look for a rent. And then it's expensive, but it's in the part of the contract. So Okay. It's part of your contract, right? Exactly. Okay, so for him personally, you have already said it, because it's part of his contract when he arrived here in Paris. So the house rent here, as you have already said, is very expensive. So, but with your contract, with your revenue, It's okay. You look, and you can go to the countryside, as you said. It's better for the future to go in Paris because it's here where you have the most of the job in France. If you have ambition, yeah, of course you need to go in Paris. But you have also a beautiful city in France. It's not the only one. But yeah, it's nice. It's nice to be here for 6 months, maybe more. Who knows? Okay. So you have said it all. The only thing I will add now, because it's from Grenoble. So my Grenoble people from Grenoble, watch out. Joël Tamara is coming very soon. Yeah. I'm coming to exploit Grenoble and to share Grenoble with the rest of the world. Thank you. Thank Bye. You. Thank you. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Comment est la vie quotidienne ici à Paris? À Paris? Alors, avant ou depuis le Covid? Parce que ça a Même avant? Avant? Bah,
Ça dépend. Moi, je suis étudiante, donc ça dépend des moments. En vrai, c'est un peu difficile, même avant le Covid. Mmh. Et après, sur Paris ou même ailleurs en France, hein, le plus dur, je pense, c'est pour trouver du travail quand on n'a pas d'expérience. Ok. Et puis après, il faut se faire une place, comme partout, je pense. Mmh. Donc ça prend beaucoup de temps, mais je connais beaucoup de gens qui ne sont pas d'ici, qui se plaisent à Paris. Mmh. Quand même de la vie ici, il y a un peu de tout. Mmh. Après, ça peut être difficile, ça dépend où est-ce qu'on va et les gens qu'on fréquente aussi. D'accord, oh, très très important. C'est vrai que les gens qu'on fréquente vont influencer notre quotidien. So, she said Paris is not that bad, but it can be difficult because it is very expensive. Mm-hmm. And again, as for she's a student, sometimes it's very difficult to find a job if you don't have experience. So if you don't have experience, it's very difficult for you to find a job. So, and again, depend on the kind of people you follow, because she has friends that are not from Paris here, but now they are living very fine, living okay here in Paris. So she said it depends on the people you follow also matters a lot if you want to really integrate and live the life you wish to live, you want to live. Yeah, some reputation that you have friends that permit you to feel okay with society when you're in it, and when you have good friends or a good person in your life in Paris or in general, you can find yourself in the country where you want to live in. Mm. And I'm French, I'm from Paris, and even if your friends are not from Paris or from Paris too, it can be difficult to find a good person in your personal life every day, or to find your city, what you want it to be, and your person as a human Your personality, your yes. dream. To be. Yes, exactly. So that is very good. So she have said it all. I hope because of the sirens, I hope you guys can get it clear. Because she's trying to say, depend on the friends you keep is very, very important, because they can influence you to be a bad person, and they can also influence you to be a good person, depend on the friends. Yes. And also they can even influence you, help you, motivate you, and maybe push you to achieve your dreams also. You can be a good reputation too by your personality and your person, and for your friends too. Mm. You have to have courage when you come to the country. People find your identity there. In Paris, it can be difficult. People are different. Sometimes we are personal. Yeah, close, a little bit close, not so open-minded sometimes. But you can find some people that are love other people, friends, I love, travel too. So I can imagine it can be difficult too. She said it all. So, thank you, girl. Subscribe. Really nice. We're not expecting that. And bye. Have a good day. And we hope you will find yourself. Et donc en français. Donc bonne journée à vous. Abonnez-vous à sa chaîne. Et j'espère que ça vous a plu et que ça peut vous aider en tant que personne étrangère ou parisienne ou française. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et vous, ça va? Oui, merci. Alors, je passe un coucou à tout le monde. Ah, merci. Comment pour vivre à Paris? Pour vivre à Paris, à mon avis, il faut beaucoup de patience, la volonté et la confiance à ton Dieu. Mm. Voilà, c'est ça. C'est pas facile ici sur Paris pour trouver un travail, pour trouver un loyer, surtout à nous, les réfugiés, les étrangers. Mm. Alors, c'est un peu difficile, mais si on a confiance à Dieu, ça va aller un jour. Mm. Et la situation maintenant en France, c'est très compliqué. He's trying to say that actually the situation is a little bit critical because of this coronavirus of 18. To live in Paris, you need to be patient, because sometimes it's not easy. It's a big city, and you need to be patient and persevere and keep on fighting and believe in your God, trust in God, because sometimes as a foreigner, it's not easy to be able to get what you want and be able to integrate. So thank you very much, man. You're welcome. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? J'imagine que vous êtes en pause là. Oui, j'allais manger. D'accord. Merci beaucoup pour les quelques secondes que vous m'accordez. Comment on peut trouver un travail? Ou comment on peut trouver un logement? Si vous êtes étudiant ou... En tant qu'étudiant ou aussi en tant que quelqu'un normal qui veut s'installer?
disons, ce qui marche le plus pour trouver un travail, par exemple, c'est de, bah, d'aller sur les sites de recrutement, tout simplement. Okay. Il y a pas mal de sites de recrutement. Et, comme quoi? Bah, comme... Indeed? Oui, voilà, Indeed. Il y en a beaucoup et c'est sur ces sites-là qu'ils proposent le plus de travail. D'accord. Notamment sur des événements, par exemple. Si vous voulez travailler sur des événements, je pense que... Par exemple, en intérim, ils recrutent beaucoup. Mmh. Après, pour tout ce qui est logement, c'est plus simple, je trouve, pour les étudiants que pour les autres personnes, parce qu'il y a des sites étudiants où ils proposent des logements à des prix... Comme Koulouse, quoi. Voilà, des prix super raisonnables et tout. Donc voilà, mmh. Je trouve, c'est vraiment tout sur Internet. Voilà. Ok. So, I asked her that, how can someone come and find an apartment and also live here, how to find a job? She said, looking for a job, I think you can find it through the interim. They call this agency of work. You can also find through internet. For accommodation, it is very easy for students because students have this organization that is helping them. For example, like Cruise. A Cruise can be able to help you to get quickly an apartment. And also help, they can still help you too. Ça peut aider aussi là, quelques sommes pour payer les logements aussi là. Oui, il y a des aides aussi pour les logements. Oui. Ouais. Après, c'est pour les étudiants. Étudiants, ouais. So the student through these organizations, you can also get a help to be able to help you pay your apartment. And again, for a normal person that want to come over to live here, it's a little bit complicating because there you have to do everything by yourself. You have less help. So, but you still have to. But you can still get it. You can go in internet through Facebook or other like Le Bon Coin. Also, you can find an apartment there. And you can ask, you can type it. Because I think every city, like the city I'm from, that is Rouen, you can type, I think, Paris Habitat. Yeah, from Rouen. You too? Yes. Ah! what a coincidence. She's from Rouen also. But you are working here? Mm-hmm. To travail ici? Oui, she's working here. So... You can go to this internet site like Facebook and Le Bon Coin, other sites, to be able to get an accommodation for a normal accommodation. Thank you for your time. Merci. After interviewing all these people, I found out that you have to be courageous if you want to come and live here in Paris, because it is sometimes very stressful. It's a very busy city, and sometimes the accommodations is very, very expensive. But that should not stop you if you plan ahead and you know exactly what you want to come and do in this city. You have your own plan. If you plan ahead, nothing is impossible. Everything is possible. And if you haven't subscribed until now, please do me a favor to click the subscribe button and turn the notification button on so you will get every new video I'll be uploading regularly. And don't forget to follow me also on my Instagram where I will be posting interesting pictures. I am Joel Tamara. Thanks for watching. Have a wonderful and inspiring day. Bye-bye.